Et salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque, toujours pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la semaine, qui sera consacrée ni plus ni moins qu'à ADD. Et oui, le voilà, le seul, l'unique. Je vous avais promis que je vous en parlerai. Et oui, bah, comme on s'est attaqué la semaine dernière au grand ancien en commençant par DD, que je connais beaucoup moins pour ne jamais y avoir joué et ne jamais l'avoir maîtrisé, de près ou de loin. Celui-ci, par contre, je le connais un petit peu mieux tout de même, enfin surtout la deuxième édition, donc ADD 2, qui reste pour moi, on va dire, celle que je supporte et que je tolère quand j'ai envie de faire une chose sans utiliser un autre système, Rollmaster, pour ne pas le... pour ne pas, on va dire, en parler. Et donc, là où je m'attaque cette semaine à la gamme, donc à une gamme vraiment pléthorique qui va nous transporter dans le temps, puisque là on va quand même remonter, déjà DD, il y avait des choses qui étaient quand même aussi vieilles que moi, là on va rester dans des choses qui sont, on va dire, très très vieilles quand même, et qui datent des fin des années 70, et qui vont donc jusqu'à à peu près au début des années 90. Fin des années 90 quand même, si pour certains suppléments de ADD2, on va dire, la dernière mouture dite révisée. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. Advanced Dungeons & Dragons, c'est quoi? C'est une version des règles qui avait été voulue donc, par Gary Gygax, qui s'était quelque peu, on va dire, éloigné de la vision qu'avait Arneson quand ils ont fait justement Donjons et Dragons ensemble. Gygax voulait quelque chose de plus précis, de plus, on va dire, touffu, on va dire, avec une foultitude de règles. Il avait plein d'idées, plein de choses qu'il voulait mettre, on va dire, dans son système, et en gardant donc les mêmes bases que Donjons et Dragons. Donc voilà, les 6 caractéristiques, le taco, ça le taco, on va encore en souper. Il a voulu justement faire en sorte de créer un système de jeu beaucoup plus étendu qui permettait d'une certaine manière de jouer dans n'importe quel univers de fantasy. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a réussi, en tout cas à l'époque, même si faut dire quand même que ADD, surtout la première édition, était quand même une belle usine à gaz. il a fallu quand même plusieurs éditions successives pour arriver, je pense, à quelque chose, de mon point de vue, de jouable et de satisfaisant avec la deuxième ADD2, donc révisée, qui, on va dire, vraiment prend tout son intérêt, sans pour autant, on va dire, aller dans le grand n'importe quoi, même si bon, le grand n'importe quoi, on l'a eu quand même un peu avant avec la première édition, à travers donc ce qu'on appelle les skills, powers and options, voilà, qui donnait en fait une nouvelle dimension au système et qui permettait justement d'en faire quelque chose de beaucoup moins, on va dire, archétypal. Et c'est ça qui a toujours été le problème, c'est que voilà, tous les personnages d'une classe, en termes statistiques, ils se ressemblent quasiment tous, il n'y a pas vraiment beaucoup de variété, à part voilà, le magicien qui va lancer des sorts un peu différents, mais sinon, concrètement, ou le clerc, oui, qui va avoir aussi peut-être quelques prières qui sont spécifiques à son dieu, mais globalement, on va dire, voilà, l'essence même du jeu, c'était déjà, donc, et ça reste quand même toujours dans cette première version, moins avec, on va dire, la version quand même ADD2 et révisée, d'aller explorer des souterrains, d'y combattre des monstres, de ramener des trésors, des objets magiques, de monter donc en niveau grâce, on va dire, à l'expérience tirée de ces confrontations, et également aussi le fait d'avoir gagné comment dire, de l'argent, hein, ça a augmenté aussi les points d'XP, en théorie, si on suit, on va dire, le barème de l'époque. Et donc, voilà, on était quand même dans ce carcan, et donc il fallait créer un groupe équilibré qui, où il fallait qu'il y ait un peu, on va dire, de chaque classe de personnages pour qu'on puisse aller jusqu'au bout du scénario, donc du module, parce qu'il préférait quand même appeler ça module. C'est devenu scénario, on va dire, plus tard, justement avec ADD. Hein, pour DD, ça reste, on va dire, module. On ne parle pas vraiment de scénario. Faut être quand même assez clair et précis sur la terminologie. ADD, c'est des modules. ADD, on commence à aller un petit peu plus, on va dire, dans le scénario, sachant que celui que j'ai sous la main, c'est marqué campagne. Donc on est déjà, on va dire, dans un ensemble de scénarios. Voilà. Puisque voilà, je vous présenterai après, c'est le seul que j'ai, on va dire, au niveau des modules de ADD, c'est justement
le temple du mal élémentaire, le fameux. Voilà, qui est l'un des seuls que je possède. Hein. J'ai pas énormément acheté de scénarios. Généralement, Donjons et Dragons, on fait ses scénarios soi-même. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà. Sinon, au niveau du système de jeu, comme je vous dis, on est, on va dire, sur la même base. Donc les fameuses six caractéristiques sont donc force, dextérité, intelligence, sagesse, charisme, endurance. Je n'avais pas encore en oublié un. Qui vont donc cette fois-ci donner des dérivés. Donc les dérivés en question pour chacune de ces caractéristiques, je vais reprendre la version révisée pour cela parce que c'est quand même la plus claire et la plus simple pour justement donner les modificateurs qui sont toujours les mêmes, hein, donnés en fait pour chaque caractéristique. Donc la force donnée, donc voilà, ça je vous montre, voilà, c'est le petit tableau qui est ici. Donc il donnait en fonction de votre attribut, votre bonus au toucher, votre ajustement aux dégâts, le poids que vous pouviez porter, votre maximum, on va dire, de pousser, pour ouvrir les portes aussi, défoncer les portes, votre capacité également en exprimant en pourcentage, un système, je le rappelle, qui n'est pas du tout unifié pour donc tordre les barreaux et soulever, comment dire, les portes. Etc. Voilà. Et donc là en plus c'est indiqué, on ne pouvait pas aller jusqu'à plus de 1800. Parce qu'en plus la caractéristique donc allait de pour uniquement pour la force, ce qui simplifiait les choses, de 1. Alors là c'était vraiment nul. Mais bon généralement vous pouviez avoir 3 puisque voilà, c'était sur 3D6. Bon, il y a plusieurs méthodes après de tirage hein, qui existent un peu dans toutes les éditions. Mais si vous aviez tiré un 18, après vous tiriez un dé à 100 faces pour savoir quel était, si c'était, on va dire, un 18 normal ou un 18 plus que normal, donc qui était le maximum qu'un humain ou quelqu'un d'une race qui était jouable dans Donjons et Dragons pouvait avoir. Donc voilà, le 1800 qui lui donnait évidemment des bonus phénoménaux. Et au-delà, évidemment, on vous dit bah, que c'est plutôt les caractères de force, genre des géants, quoi. Voilà. Pour la dextérité, donc on a l'ajustement réaction qui va donc ajuster votre classe d'armure, la fameuse. Votre ajustement également contre les attaques, les projectiles, et votre ajustement est évidemment aussi défensif. Voilà, donc tous ces ajustements-là sont donnés par la dex. Donc l'ajustement défensif, c'est pour la classe d'armure. Les deux autres, c'est en fonction de l'attaque, ça vous donne, on va dire. Également, donc l'ajustement missile, c'est pardon, pour votre bonus pour les attaques à distance. Et l'ajustement réaction, je ne sais plus. Ah oui, c'est pour la surprise. Voilà, désolé, hein, parce qu'on n'utilise pas forcément toujours toutes ces règles. C'est vraiment un système qui est proposé. Et c'est vrai que l'ajustement réaction pour la surprise, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas du tout utilisé. Par contre, l'ajustement de défense pour la classe d'armure, beaucoup plus. La constitution, donc, on nous donnait en fonction du, comment dire, de la valeur, l'ajustement au point de vie, ce qu'ils appellent le système choc. Hein, donc voilà, est-ce qu'on peut faire un choc traumatique si on prend, on va dire, dans certaines circonstances ou si on a on prend un certain sort, le chance de résurrection, l'ajustement aussi au poison. Alors là, il fallait avoir vraiment une carac énorme pour avoir un ajustement contre le poison. Et savoir si on régénère, sachant que voilà, le troll, lui, s'il a plus de 19, donc au minimum 20, eh ben, il y a une valeur de régénération par round qui est donnée. L'intelligence, qui elle va nous donner donc le nombre de langues, qui aussi dans cette version-là va donner le nombre de compétences de base aussi, de points de compétences qu'on va pouvoir acheter. Donc ça, c'est spécifique vraiment à la deuxième édition, qui elle a un système de compétences. Ce n'est pas le cas pour les versions précédentes, hein, donc ADD1. Jusqu'à donc, il n'y a que dans la DD2 que le système de compétences commence à arriver. Les niveaux de sort maximum qu'on peut lancer, les chances d'apprendre un sort, le maximum de sort par niveau, et l'illusion, ou l'immunité, pardon, maximum ou pas à l'illusion. Donc il faut quand même avoir 19 en intelligence pour, on va dire, prétendre à résister au sort d'illusion de niveau 1. Il faut quand même se lever de bon matin. La sagesse, ça vous donne donc l'ajustement à la défense magique. Le bonus
les bonus de sort aussi que vous pouvez avoir. Donc le temps de sort de niveau 1, niveau 2, niveau 3 en fonction, jusqu'au niveau 4 si vous avez 18. Les chances de rater vos sorts également. Donc il vaut mieux avoir quand même une grande sagesse pour ne pas rater vos sorts. Et immunité au sort. Et donc il faut avoir à partir de 19 en sagesse pour être immunisé à certains sorts. C'est surtout des sorts de manipulation de l'esprit. Et le charisme, qui donne encore donc le maximum de suivants que vous pouvez avoir, votre loyauté de base et l'ajustement réaction, c'est-à-dire voilà, la réaction des PNJ. Voilà, donc sur les 6 caracs, on a ces ajustements-là. À cela, on va donc avoir le taco en fonction donc, de votre classe. Vous allez avoir une chance de toucher qui est exprimée par un nombre donc, qui va de 1 jusqu'à 20. Tout simplement. 20, ça veut dire que vous touchez une classe 0 si vous faites un 20, et si vous avez par exemple 2 en, on va dire, en comment dire, en taco, eh ben, il suffit en fait de faire 2 OD pour toucher on va dire la meilleure classe d'armure. Donc c'est quand même assez énorme. Bon, généralement vous descendez pas à 2 en taco, hein. C'est complètement n'importe quoi. Ça veut dire que voilà, vous touchez une classe d'armure de 20 si vous faites 2. Si vous faites 20, vous touchez une classe d'armure de 2. Ce qui est quand même assez. Faut remettre ça dans l'ordre. Hein. Donc ce qui veut dire que je reprends mon exemple, parce que pour ne pas me planter, parce qu'évidemment il faut que ce soit quand c'est en direct que je l'explique mal, alors que normalement je l'explique très bien. Vous avez par exemple un taco de 10, donc il suffit concrètement de faire 10 OD pour toucher une classe d'armure de 0. Donc ça veut dire que si vous faites par exemple 20, bah vous touchez une classe d'armure de moins 10, qui est le maximum. Donc déjà avec un taco de 10, vous êtes en mesure déjà de. En plus, vous ajoutez des bonus, hein, donc vous avez souvent des bonus de force qui vous donnent donc un bonus d'ajustement au toucher dégâts, qui va vous permettre donc de toucher de toucher votre ennemi. Voilà, donc globalement sur le système c'est ça. Le système de magie, c'est un système donc dit vancien, comme on dit, où donc vous avez en fait des sorts qui sont, on va dire, appris chaque jour. Des sorts avec des paramètres définis qu'on apprend. Donc la magie, on ne modèle pas ses sorts, on ne crée pas ses sorts. Bon, on peut le faire, on peut faire des recherches magiques à très très haut niveau pour créer des nouveaux sorts. Il y a évidemment des PNJ très connus qui ont les fameux, on va dire, cercle des 8 de Greyhawk, qui sont tous très connus, donc Mordekaiser, Bigby, Tenser, Rari, etc., qui eux ont laissé leur nom parce qu'ils ont inventé des sorts. Mais c'est des personnages qui ont été évidemment inventés et joués par les créateurs du jeu, pour la plupart. Mordekaiser, c'était le personnage de Gary Gygax, par exemple. Et donc, il a laissé justement le Mordekaiser Fabulous Mansion, qui est un sort de très haut niveau qui permet de créer comme ça, ex nihilo, un château merveilleux dans lequel vous allez pouvoir vous reposer. C'est quand même bien quand on passe en balade de pouvoir faire ce genre de choses. C'est un classique, on va dire. Voilà. Puis bon, après il y a les disques de Tenser, donc c'est des disques qui permettent, on va dire, de transporter des choses, etc. Donc chaque mage a quand même créé ses propres sorts, mais on a, on va dire, des modèles de sorts typiques qui sont proposés pour chaque niveau. Et c'est pareil pour les sorts de clair. Et donc après, évidemment, les autres classes de personnages vont aller piocher dans ces deux grandes classes de sorts que sont les sorts de prêtres et les sorts d'enchanteurs, de mages, wizards. Et donc voilà, par exemple, le ranger ira piocher donc justement dans, et le paladin, ils auront pioché donc dans les sorts de clair, là où le bard, lui, il aura pioché dans les sorts de mago, etc. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la mythologie ADD. Le système est comme ça. On a des sorts prédéfinis, on a, on va dire, des mécaniques quelque peu immuables. Le taco, les caracs, les bonus, etc. Donc, parfois, ça va jouer au D20. Donc, on va avoir en plus des jets de sauvegarde qui varient en fonction de la classe et du niveau. Il va falloir faire plus que la valeur de votre jet de sauvegarde contre donc les bâtons, la mort, la pétrification, les souffles, les sorts, etc. Donc il y a plusieurs catégories. Je les ai citées pêle-mêle, mais elles sont rassemblées parfois en un seul intitulé.
Lui, c'est que là, ça ne me revient pas ad libitum, mais bon, on verra quand on reverra les bouquins. Et donc, si on fait plus que ou égal que, on va dire, la valeur de la sauvegarde, on réussit sa sauvegarde, et souvent, bah, ça se traduit par le sort n'a pas d'effet, ou le sort a moitié moins d'effet. Genre une boule de feu, si on fait un jet de sauvegarde contre la boule de feu, eh ben, si déjà on a le droit, parce qu'il y a certains sorts qui n'ont pas de jet de sauvegarde, et qui sont bien bien puissants à très très bas niveau pour ce genre de choses, genre par exemple Color Spray, hein, c'est ceux qui connaissent, hein, ils verront très bien que Color Spray est un sort abominable, et que surtout dans voilà, qui a changé au niveau des règles, etc. Je sais que j'ai eu un souci la dernière fois qu'on a joué à Donjons et Dragons, enfin ADD 2, parce que je savais plus quelle version. Si c'était la version de la 1 ou la version de la 2, on a eu des conflits, comment dire, on va dire de la manière dont les sorts ont été remaniés pour justement être un peu moins forts ou étaient au contraire beaucoup plus forts. Et ben voilà, donc là, par exemple, pour votre jet de sauvegarde contre la boule de feu, ben vous prendrez que la moitié des dégâts. Ce qui concrètement, vu que voilà, la boule de feu, si mes souvenirs sont bons, je sais plus si c'est des D4 ou des D6, mais bon, on en jette des poignées à partir de certains niveaux, puisque ça augmente avec le niveau. C'est un sort niveau 4, je crois, dans ADD, dans ADD2 aussi. Et donc, à partir d'un certain moment, lancer des boules de feu, c'est bien, mais voilà, ça fait énormément de dégâts, et en plus, quand ça explose, ça touche aussi les camarades, hein. Donc c'est les sorts vraiment voilà qui sont aussi problématiques, qui sont forts la plupart du temps, qui augmentent évidemment avec le niveau, et on y a accès. C'est pas, il n'y a pas de logique réellement, et il n'y a pas de possibilité en tout cas de les modeler ou d'en inventer de nouveaux, sauf si on est évidemment d'extrêmement haut niveau, c'est-à-dire à partir de 16-17, quoi, à partir du niveau où on peut prétendre à être archimage. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour le système. Bon, j'ai été assez rapide, c'est pas vraiment, on va dire, ce qui intéresse. De toute façon, en plus, c'est un système qui est vraiment assez archi connu par la plupart d'entre vous si vous suivez la chaîne. Je pense que si vous avez sûrement joué à ADD d'une manière ou d'une autre, bon, vous avez sûrement vos préférences entre sûrement ADD 1 et ADD 2. Je sais qu'il y a des aficionados terribles, on va dire, des guerres de clochers entre ADD 1 et ADD 2. Hein. J'en ai vu sur certains forums. C'est assez drôle de voir ça. Moi, ma préférence va à ADD 2 parce que je la trouve, on va dire, beaucoup plus équilibrée quand même. Et surtout, il y a un système de compétences, ce qui manquait quand même dans ADD 1. Et en plus, ADD 1, il y a quand même des classes de personnages qui sont complètement fumées du genou. Qui sont même quasiment impossibles à jouer, hein, genre le Ranger dans ADD 1, c'est n'importe quoi. Pour pouvoir jouer un Ranger, faut avoir des prérequis de carac, et après on est complètement, mais complètement barbare, enfin c'est horrible. Le Bard, pareil, est super fort, parce que ses sorts évidemment sont extrêmement forts, puisqu'il joue un petit peu entre le voleur et le magot, donc évidemment il a de gros 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 avantages. Il y a des classes de personnages supplémentaires dans les suppléments. Parce que donc il y a les classes de base, hein, que sont le traditionnel guerrier, magicien, clerc, voleur, donc je disais barde, ranger, qui sont des classes particulières, paladin aussi, qui peut devenir très très puissant, mais il faut qu'il soit assez haut niveau. J'en oublie encore, hein, voilà, donc je dis voleur, hein, mais maintenant on dit plus voleur, hein, on dit roublard, rôdeur, enfin bon bref, on lui trouve un autre nom pour le politiquement correct comme d'habitude. Et il y avait donc des classes de personnages supplémentaires comme l'acrobate, le barbare, le comment s'appelle le cavalier, enfin bon, il y avait plein de choses diverses et variées qui ajoutaient énormément de soucis plus qu'autre chose. C'était des variantes, hein, de classes préexistantes, mais qui avaient des capacités qui étaient quand même assez pétées du genou. Et ça, on va dire, dans ADD2, ils avaient quand même un petit peu mis le holà. Même s'il restait encore des choses, voilà, comme je vous dis, il y a certains sorts qui pouvaient carrément casser la partie. Alors que pourtant, c'était des sorts, s'ils étaient bien utilisés, une sorte de petit niveau qui foutait en l'air complètement. Voilà, quoi. Comme on dit souvent que le sommeil, c'est le sort de mort du pauvre, bah, là, c'est exactement ça, quoi. Les sorts de sommeil sont extrêmement puissants. Donc, le fameux sort donc, de Color Spray, donc oh, je sais plus comment il s'appelle, on va dire en français, mais bon, vous comprendrez. C'est rayon de couleur ou quelque chose comme ça, qui est extrêmement puissant aussi, s'il est très bien utilisé, et qui peut vraiment foutre en l'air complètement, on va dire, un combat, et le plier en un round, hein.
J'ai déjà vu le cas, hein. Très sincèrement, voilà, les magots, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, comme dirait l'autre, mais ils peuvent avoir des ressources. Voilà. Donc, alors, vous présentez les bouquins maintenant. Alors, depuis le début, c'est un triptyque, évidemment, qui est présenté à chaque fois. Donc là, je vous présente le premier triptyque, avec donc ce qu'on appelle les premières couvertures. Le premier bouquin, assez étrangement, à être sorti, normalement, donc c'est le Monster Manual, qui lui, donc, date de 77. Monster Manual, excusez-moi. Je regardais sur mes notes pour revoir la date. Donc cette édition-là, c'est une réimpression de 79. Et la première, donc, est sortie en 77. Et 77, ben voilà, on avait juste donc le manuel des monstres, ce qui est assez bizarre. Donc moi, j'ai une version en plus qui avait assez une particularité assez abominable, c'est que la personne à qui je l'avais acheté avait colorié les monstres. J'étais obligé de tout gommer, c'était affreux. Mais bon, voilà, ma version, j'ai fait très attention, évidemment. Voilà, version quand même de 79, ça se respecte. Donc on avait affaire à un bouquin de 112 pages, très complet, avec donc tout le bestiaire, avec toujours des illustrations quand même, voilà, de l'époque, on va dire, hein, c'était pas non plus, voilà, plus les monstres un peu plus classiques, etc. Donc voilà, là, bah tiens, je tombe une page au hasard, le cube gélatineux, un grand classique. Donc voilà, avec décrit par sa classe d'armure, son nombre de dés de vie, donc qui donnait à peu près son niveau de puissance, son niveau. Chaque dé de vie c'était un D8, hein, pour les monstres, je le rappelle. Il y en a qui avaient quand même pas forcément toujours tout compris. Voilà, on disait le nombre d'attaques et les dégâts qu'il faisait au niveau des attaques. Voilà, donc là c'était 2 à 4, donc il fallait traduire 2D4, 2 à 8, pardon, donc 2D4, j'avais déjà traduit mentalement. Donc il donnait en fait le niveau de variation du plus petit résultat au plus haut résultat. Il fallait évidemment comprendre que c'était le nombre de dés à lancer. Bon, quand on a l'habitude, évidemment, qu'on pratique ça depuis des lustres, ça va, mais dire 2-4, quoi, et comment ça il fait de 2 à 4 à 8 points de dégâts? Ah oui, il faut lancer 2D8. Et ses attaques spéciales, donc là il pouvait paralyser. Et donc le fameux cube en question, après, il pouvait vous digérer. Et ne digérez pas, par contre, certaines pièces de vos équipements, en particulier les objets magiques, etc. Donc voilà, vous aviez le cube gélatineux. Bon, c'était un grand classique. Voilà, mais quelle horreur en plus qu'y avait-il. Voilà, je revois encore. Cet abominable personnage qui avait colorié son livre. Voilà. Donc ça, c'était sorti en 4, donc en 1977. Voilà. Donc ça, c'était le premier du triptyque. Et ensuite, l'année d'après, sous cette forme donc là, donc c'est 78 et 78, donc pour le Player's Guide et le Dungeon Master Guide. Donc vous voyez, le Player's Guide était très épais, le Dungeon Master Guide, lui, était plutôt moins épais. Donc là-dedans, comme ça va toujours être à peu près le cas, on a la description du. Donc vous voyez, l'intérieur est assez austère, hein, faut quand même se lever de bon matin. Donc on vous décrit ce qu'est le jeu de rôle. Voilà, on vous fait un petit peu de cours de théorie, de probabilité, voilà, sur les courbes de Gauss, pour ceux qui aiment. Ça va leur rappeler des souvenirs. On vous dit comment tirer votre personnage. Donc on rentre direct dans le tas. On vous a pas expliqué grand-chose sur quand même sur ce qui est réellement le jeu de rôle. Bon, on vous explique quand même un tout petit peu, hein, ce qu'est un jeu, on va dire, ce qu'est Donjons et Dragons en tout cas. Mais on rentre vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Il y a donc tous les détails évidemment pour créer son personnage. Il y a déjà le multiclassage, hein, qui était possible évidemment. Donc il y avait le multiclassage et donc ah, comment ça s'appelle? Il y a multiclassage et biclassage. Voilà. Donc il y avait deux systèmes en tout cas qui permettaient donc soit de faire partie de deux classes de personnages qu'on faisait monter, on va dire, quasiment de concert, où il y avait possibilité on va dire, de changer de classe et d'en augmenter une alors qu'on avait l'autre. Enfin bon, il y avait un système comme ça, mais bon, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Donc il n'y a que en troisième édition, donc en DD3, où ils avaient refait un peu le système, où il était un petit peu plus, comment dire, facile d'emploi. Mais j'avoue que c'est moi, voilà, ça m'a pas trop.
c'est pas un truc, on va dire, que j'avais bien compris et que j'ai toujours réellement bien compris à l'époque. C'était un peu nébuleux. Alors, je sais que j'ai vu passer des personnages multiclassés ou à la table de jeu, mais bon, ça, c'était un peu nébuleux pour moi. Ça remonte à loin, hein, ça remonte dans les années 90 quand j'en avais vu débarquer comme ça, en 92, 93, avec des personnages, on va dire, qu'il y avait deux classes de perso. J'ai dit, ah bon, c'est possible ça? Eh oui, c'est possible, voilà. Mais bon, moi, sincèrement, je crois que j'en ai jamais eu. Donc, il y avait des options également donc, pour jouer en tant que. Donc, pour jouer espion. Et assassin, voilà les habiletés du voleur, etc. Donc tout est décrit. Par contre, au niveau de la mise en page, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver au niveau des informations. Les têtes de chapitre sont vraiment mal fichues. Les informations, franchement, c'est vraiment une mise en page assez étouffante de l'époque. C'est vraiment pas super agréable à lire quand même. Il fallait quand même se lever de bon matin pour lire ce genre de choses. Donc après, évidemment, la description des sorts des personnages. Donc oui, j'avais oublié, en plus il y a le druide aussi. L'illusionniste, qui était donc une spécialité de magicien, voilà, donc tout est déjà présent là-dedans. Les règles de combat, les rencontres et les jets de réaction des PNJ. Les jets de enfin les lancements de sorts en combat, etc. Donc il y a vraiment tout, hein, voilà, la description des jets de sauvegarde, le système de folie entre guillemets. Alors bon, voilà, c'était un peu succinct, hein. L'expérience, la campagne, etc., etc. Voilà un exemple de donjon à l'intérieur. Donc pour commencer, donc si on achetait le Dungeon Master Game, normalement on pouvait commencer déjà à jouer techniquement. Il y avait tout ce qu'il fallait. Avoir le livre des monstres, c'était quand même plutôt pas mal. Mais bon, normalement, on avait la possibilité déjà on avait toutes les règles en tout cas pour créer les personnages et mener une partie. Toutes les règles nécessaires. Après, il n'y avait pas les conseils qui allaient avec. Donc il y avait la description là-dedans, donc des potions des trésors. Donc le chapitre des potions des trésors était dans le livre du. Comme je vous dis que après c'est des sections qui ont été reportées, ils sont aujourd'hui justement dans le livre du maître. Les fameuses tables de rencontres aléatoires de monstres errants, comme on disait à l'époque, ça c'était quand même une grande chose. Voilà, les descriptions en fait des créatures des plans. Donc il y avait déjà un peu les plans qui nous étaient plus ou moins donnés. Donc tout ce qui était cosmologie un peu de l'univers de Donjons et Dragons. La liste des monstres. Donc il n'y avait pas une description, mais on avait en tout cas le résumé de leurs caractéristiques et le nombre d'XP que ça nous donnait, voilà, etc. Donc il y avait un tableau récapitulatif qui était quand même assez conséquent. Des appendices, donc là on est déjà dans les appendices, hein, donc les différents pièges, comment les utiliser, voilà, pièges, voilà, les inspirations, le fameux chapitre N, justement les inspirations, qui a été repris si. C'est de ça dont il parle en fait quand dans Dungeon Crawl classique, le fameux chapitre N, qui sont donc en fait les inspirations qui ont permis aussi la création donc du jeu, justement Dungeon Crawl classique. Ils se sont inspirés de cette section-là pour eux en fait développer leur jeu. On nous décrit le. Pardon. Ah mince. Le glossaire, donc les différents termes, c'est ça que je cherchais. L'index, quand même, il y a quand même un index, hein, voilà, et une pub pour la Gen Con, c'est plutôt une bonne idée, hein, c'est quand même eux qui avaient créé l'événement, ça tombe bien. Et voilà, donc on avait quand même un livre qui était très très complet pour l'époque, mais comme je vous dis, ça va évoluer au fil du temps, et il y a certaines sections qui vont passer dans justement. Dans le fameux. Ah ben non. Oh là là. J'ai vraiment mal dormi, quoi. Donc oui, je vous ai décrit en fait ce qu'il y avait dans le Dungeon Master Guide. Je me disais aussi, tiens, c'est bizarre, il y a plein d'options et tout et compagnie. Donc oui, non, les options, elles sont déjà bel et bien dedans. Donc le Player's Guide, lui, il est. Donc on inverse, on rembobine, on refait tout. Donc dans le Dungeon Master Guide, il y a tout ce que je viens de vous dire. Mais bon, je pense que vous avez peut-être vu que je parlais d'une Dungeon Master Guide. C'est moi qui ai dû faire un lapsus
quelque peu, on va dire, fâcheux. J'en suis désolé. Pour ça, je me disais aussi, c'est bizarre, il y a plein de trucs. Donc, c'est dans le Dungeon Master Guide, mais il y a certaines sections, malgré tout, qui vont changer en fait de bouquin en bouquin. Et ça, par contre, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, avec donc les variantes de classes de personnages, elles sont dans le Dungeon Master. Par contre, les classes de base, donc les tableaux avec les ajustements de caractéristiques en fonction de leur valeur, c'est bel et bien dans le livre du joueur qui lui donc fait à peu près 130 pages. Donc on a les ajustements de carac, les différentes classes de personnages qui sont jouables. Donc que sont le clerc, le druide qui est une sous-classe, le fighter, et donc dans le fighter, donc le guerrier, il y a également donc le paladin et le ranger qui sont les sous-classes. Il y a le magic user, le magicien, avec une sous-classe, donc l'illusionniste, le thief avec une sous-classe, l'assassin, et le moine. Donc ça, c'est de base. Ça, c'est les choses donc, qui sont proposées dans, on va dire, cette édition-là. On voyait donc déjà, bah, j'en avais oublié, hein, j'avais oublié le moine, je me souvenais, oui, c'est vrai que... Mais à coup de pas, j'avais oublié qu'il y avait aussi le moine. Donc, on nous décrit après les différentes tables. Donc là, par exemple, vous avez les tables pour le clerc, où on nous dit, en fonction du niveau d'expérience, quel est le nombre donc, de points d'expérience nécessaires, le nombre de dés de vie et la nature du dé de vie, le titre également qu'il pouvait avoir. Ça, c'était encore présent dans ADD 1. Le titre, je crois que après ça n'existe plus, hein. C'est un truc, c'est une vieille un relan, si je puis dire, de DD. Le nombre de sorts qu'il peut utiliser et lancer, enfin qu'il connaît et qu'il lance en fonction du niveau, donc pour le druide pareil, etc. Et donc vous avez la même chose pour les différentes classes de personnages, sachant que les races par contre qui étaient donc jouables, donc il y avait le nain, l'elfe, le gnome, le demi-elfe, le halfing, le demi-orc et l'humain. Alors il y avait demi-orques visiblement qui étaient possibles. Alors ça, par contre, parce que je crois que dans les éditions suivantes, dans ADD2, le demi-orque, je ne me souviens plus qu'ils sont encore disponibles, d'après mes souvenirs. Enfin, en tout cas, moi j'en ai jamais eu à ma table après, donc c'est redevenu une classe jouable à partir donc, de DD3, donc jusqu'à encore aujourd'hui, on y a encore des demi-orques jouables. Etc. Donc. Là, il y a le système d'alignement qui vous est décrit. Donc là, on pourrait faire presque une vidéo entière sur le fameux système d'alignement. Donc, il y a quand même énormément de détracteurs maintenant à ce système, puisqu'il tend à vouloir, le faire disparaître. Moi, comme j'ai essayé de l'expliquer, on va dire, on a fait une discussion justement à ce propos. L'alignement, c'est un aspect extrêmement important, par exemple, dans l'univers de Planescape, puisqu'il définit, on va dire, la nature même de chacun des plans. Donc c'est un concept de jeu sur lequel je m'appuie beaucoup quand même pour décrire la couleur du monde dans lequel on est, sans pour autant tomber, on va dire, dans quelque chose de... Voilà, d'immuable. Il y a évidemment des variations, mais voilà, ça va donner quand même l'ambiance, le genre, la couleur, comment dire, de l'univers dans lequel on est, et l'alignement personnel de l'individu va donner évidemment sa position par rapport à l'endroit où il se trouve. Voilà, s'il est en accord avec le plan ou en désaccord, et que voilà, il va créer des tensions, etc. Donc il va créer peut-être des variations. Enfin bref, c'est un débat sur lequel on pourrait vraiment en parler pendant des heures, et je ne vais pas vous faire l'affront de le faire, parce que là je ne vous ai décrit que, on va dire, le premier triptyque. Enfin bon, après pour les autres ça va aller assez vite, hein, puisqu'on est dans la même logique. Donc, on nous donne les langues, on va dire, parlées, à la base, l'argent de départ, l'équipement, donc avec les fameuses tables pour s'équiper, voilà, le prix des choses. On ne peut pas généralement s'acheter énormément de choses, hein, de base. Voilà, les différentes armes également, donc le tableau des armes, voilà, avec, à chaque fois... En fonction de l'arme, là, il y avait quand même un ajustement à la classe d'armure en fonction du type d'arme. C'est-à-dire que là, était pensé, donc ça, c'était, ça va disparaître après dans ADD2, le type d'armement défini avait un effet particulier contre certains types, on va dire, de rangs d'armure. C'était assez logique, hein, quelque part. Il y a certaines armes qui sont plus disposées
à pénétrer certains types d'armures. Donc c'était bien, mais par contre c'était un peu fastidieux, on va dire. Les druides, donc voilà, donc là on nous décrit tous les sorts, donc c'était l'essentiel en fait du player, c'est encore l'essentiel aujourd'hui. Tous les sorts, comment dire, de spécifiques, donc qui étaient donc les sorts de clerc, donc là il y avait les sorts spécifiques après pour les druides. Donc visiblement il y avait quand même une. Il y avait, on va dire, des catégories séparées dans ADD, je ne m'en souvenais plus, j'avoue. Je pensais, moi, que voilà, les druides allaient piocher dans les sorts de clerc, ce qui est le cas en fait dans ADD2, c'est pour ça. Mais dans ADD1, ce n'était pas le cas. Les Magic Users, donc les mages, ils ont leur propre sort, donc jusqu'au niveau 9, normalement, c'est niveau 9, hein. Niveau 9, oui, c'est bien cela. Au-delà du niveau 9, après niveau 10, c'est plus des sorts, en fait, c'est des sorts dits épiques ou des rituels, en fait. Voilà, il y a des sorts donc spécifiques pour les illusionnistes, qui sont donc une sous-classe en quelque sorte. Description quand même des pièges, de la guérison, du système de guérison, et voilà, et un appendice avec le système de psionique. Alors là, dans ADD1, c'était n'importe quoi le système de psionique, c'était extrêmement pété. Le personnage qui se retrouvait psionique, c'était chaud patate. Dans la deuxième édition, c'est quand même un peu plus difficile d'être psionique, et il y a en plus un supplément spécifique dédié pour cette classe de personnage qui est extrêmement intéressante. Moi, je la trouve vraiment super sympathique. Bon, par contre, c'est vraiment assez puissant. Il faut quand même le reconnaître. Donc mais je pense que voilà, si, quand on joue, on va dire, dans Dark Sun ou sur Atas, c'est un incontournable, évidemment. Et enfin, à la fin, on nous décrit également un petit peu la cosmologie du monde. Donc, voilà, le système des alignements dont je vous parlais, voilà, donc résumé par un tableau. ce qui allait préfigurer évidemment la description des plans, des différents plans, donc la cosmologie de Donjons et Dragons, donc la fameuse roue, alors les plans dits intérieurs et les plans dits extérieurs, voilà, qui n'ont pas encore leur nom définitif, hein, par rapport à Planescape, voilà. Voilà, Arcadie, donc ce qu'on va appeler après, donc ce qu'on appelle donc les sept paradis, va changer de nom après. Les paradis jumeaux, l'Élysée, donc est encore là. Olympus, c'est encore ça. Gladsheim, ça va changer. Les limbes, le pandémonium, ça reste le même. Les abysses, donc il y a ils disent le Tartare, donc ça devient après les Carcères. Donc après, donc les plans, on va dire, donc l'Hadès, pareil, va changer de nom. GN, alors non, il y en avait plus, ça veut dire qu'il y en avait plus, comment dire, à la base. Non, il y en a bien 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, il y en a bien 7. Non, ils n'en avaient pas rajouté. Mais ils ont évidemment au fil du temps changé de nom pour devenir ce qui est maintenant, on va dire, devenu commun depuis, on va dire, Planescape. Voilà. Donc, les tableaux pour terminer le livre, et donc vous avez, voilà, donc le livre là, enfin, franchement, là je dirais que pour ADD 1, il fallait quand même avoir le triptyque si on voulait jouer, parce qu'il y avait plein de choses très utiles qui vont donc après repasser dans le livre du joueur, et inversement, hein, il va y avoir en fonction des éditions, certains chapitres, ils vont se dire, ben, on va le mettre là, en fin de compte, on va le mettre ici, mais bon, je pense que avoir le triptyque, ça restait quand même une obligation si on voulait jouer au jeu correctement. Alors après, il y a donc les deuxièmes couvertures. Donc là, c'est les bouquins que vous avez dû connaître. C'est ceux qui sont sortis en français. Oui, j'ai l'écran aussi qui est inséré dedans. Enfin, le double écran. Donc c'est les mêmes, hein, que je vous ai présentés, avec peut-être quelques coquilles qui ont été corrigées. Qui date pour moi, celui que j'ai, le Players, il date de 85, mais la première version est de 78 aussi. Voilà, parce qu'il y a eu vraiment de multiples éditions, et donc la première version, quand même celui-ci, elle date de 78. Donc, ça m'a paru assez étrange, mais c'est possible. Quand j'avais fait les recherches, donc le Dungeon Master Guide, lui, il est de 79. Ouais, celui-ci est de 79. Ouais,
Ouais, je me trompe pas, hein. Dungeon Master Guide, oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est pareil, 79. Donc, et il est paru en fait la même année que celui où il était encore en première couverture. Voilà, donc les couvertures en fait différentes ont coexisté à certains moments, à la fin des années 70. Et après, il n'y a plus que, on va dire, ces couvertures-là qui étaient disponibles. Ça, c'était en quelque sorte une sorte de première impression. Et là, après, ils ont fait des multiples rééditions de celle-ci, et c'est celle-ci qui existe le plus en plus de, on va dire, d'exemplaires. Et celle-ci donc date également donc de 79 pour la mienne, sachant que donc pareil, elle est parue aussi en 77 pour les premiers exemplaires. Et après, ce que j'avais trouvé, c'est assez étrange, hein, mais bon, moi je me réfère, on va dire, aux dates qui sont là, qui sont les dates, on va dire, de parution, on va dire du. Et il y a bel et bien une date aussi qui est indiquée avec on va dire le numéro d'impression qui est quand même indiqué dans le livre. Alors par exemple, celui-ci donc est bel et bien marqué 78, comme je le disais. Et on est à la. Alors est-ce qu'elle est. Ouais, reprinted. Alors ça, c'est une réimpression United Kingdoms qui date donc bel et bien de 85. Voilà. Donc moi, je n'ai fait que répertorier les dates qui étaient à l'intérieur. Alors donc les premières dates doivent correspondre évidemment, vous l'avez compris, à la première cover. Mais je pense que il y a eu un moment où les deux ont coexisté, où il restait quelques exemplaires de l'un et de l'autre. Ça doit être probablement ça. Donc l'écran que voici, voilà. Donc il n'était pas super fameux, mais c'était donc l'écran qui était paru donc avec ADD première édition. Deuxième série de couvertures donc qui date plus des années 80 hein, en tout cas c'est ceux qu'on va connaître nous dans les années 80. Voilà, on va y arriver. Et voilà, ça cela franchement je pense que les plus vieux d'entre nous les ont eu entre les mains et les ont eu encore pendant très très longtemps hein. Puisque voilà, la deuxième édition de Donjons et Dragons n'est arrivée chez nous que toute à la fin des années 90. Donc elle est parue donc, pour la VO, je crois que c'était 88 pour le Players, si mes souvenirs sont bons. C'est bien 88. Tac, tac, tac. Je revérifie les dates. 89 même, c'est 89. Et donc elle est parue chez nous que, on va dire, peut-être 90 ou après. Donc c'est assez. C'était quand même assez tardif. Alors, les suppléments pour ADD 1 maintenant. Alors, il y a eu un Monster Manual deuxième édition que moi j'ai jamais eu forcément à utiliser, mais bon, voilà, c'est un livre de monstres supplémentaires. Il y en a eu plein dans la gamme, 160 pages, donc avec plein de choses en plus, plein de voilà, avec des illustrations toujours de l'époque. Donc celui-ci date de. Est-ce que la date est 82 vraisemblablement? Octobre 82 pour celle-ci, d'après ce que je vois. Ça doit être ça. 82. Et donc, bah, on a plein de nouveaux monstres à mettre sous la dent. Ils ont tué, comment dire, tous les monstres, on va dire, du premier manuel des monstres. Et sachant que, je rappelle qu'ils envoyaient des lettres quand ils avaient réussi à tuer, en fait, tous les monstres qui étaient dans le manuel. Ils avaient fait la même chose également pour un supplément que je vais vous présenter sur les dieux. Et c'était quand même un peu n'importe quoi. Eh, s'il vous plaît, donnez-nous des monstres supplémentaires à tuer. On les a tous pétés, ceux déjà qui étaient dans le bouquin. C'était bon esprit quand même à l'époque, hein, on doit l'avouer. Voilà, c'est juste un manuel des monstres, hein, il n'y a pas à tergiverser beaucoup plus loin. Quelque chose de beaucoup plus intéressant, voilà, le Unearthed Arcana, supplément de règles. De 128 pages, c'était un peu, on va dire, la boîte de Pandore, ce truc. Hein. Donc avec le fameux Léomund en voilà un mage de Greyhawk extrêmement connu, qui a rapidement pris ses distances avec le cercle des 8. Donc on a des puisqu'il y avait des limitations évidemment de niveau en fonction de certes des classes dans ADD, hein, ce qui était vraiment un truc complètement aberrant. Heureusement qu'ils ont changé ça et que ça n'existe plus dans les versions modernes.
que franchement, voilà, limiter le personnage parce qu'il avait une certaine race à un certain niveau de classe, je trouvais ça quand même complètement idiot, ce qui l'obligeait de toute façon à faire du multiclassage, hein, parce qu'il était limité, voilà, donc quoi qu'il arrive, il était obligé de, s'il voulait continuer, à changer de classe et à continuer dans une autre classe. C'était assez bizarre comme idée de. Bon, après, il y avait peut-être aussi une question d'équilibre, on va dire, du jeu, mais bon, franchement, c'était déjà pas tellement équilibré, ça changeait pas grand-chose. Donc là, il donnait des variantes, on va dire, de l'imitation, voilà, des sous-classes de raciales. Donc voilà, pour les nains, donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, on va dire, dans DD5, donc les variantes de races qu'on pouvait avoir. Par exemple, pour l'elfe, pour comment dire, le nain, le nain gris, le nain des collines et le nain des montagnes. Pour le gnome, donc le gnome des profondeurs et le gnome de la surface. Voilà, donc c'est des choses assez classiques. Il y avait également donc des classes de personnages supplémentaires. Donc comme je disais, le cavalier, le barbare, le ranger, ils sont là, l'acrobate, et donc le barde. Donc ils viennent de là, hein. Comme je vous avais dit, ils n'existaient pas dans la version de base. Ça vient de là, et c'est là que le bât blesse, parce que ces classes sont vraiment complètement pétées du genou. Donc on a la description de tout cela. Donc le cavalier, le ranger, le barbare, voilà. L'acrobate, donc, qui est une variante aussi du voleur. Des descriptions évidemment de nouveaux sorts, voilà, on n'en avait pas assez. Donc il y avait une chose supplémentaire, des cantrips aussi qui étaient développés dans cette édition-là. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est des petits sorts de niveau 0, hein, comme après on le sait. Donc c'était vraisemblablement la même chose, et l'idée donc a été reprise après dans DD3. Donc plein de nouveaux sorts, niveau 0, donc jusqu'au niveau on était jusqu'au niveau combien? Jusqu'au niveau 5, vraisemblablement, si je ne dis pas ah non, il y en avait jusqu'au niveau 7, c'est jusqu'au niveau 7, bon, il devait peut-être y en avoir pour certaines classes jusqu'au niveau 9, mais ça, en fonction, ils n'avaient pas donné des sorts pour tous les niveaux. Après, il y avait donc une section dite pour le MJ. Donc en fait, c'est des ajouts de règles, hein, qui ont été rassemblés en un seul volume. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec le Xanatar ou le Tasha Cauldron of Eldrassil. Voilà. C'était le même principe. Ça a été remis au goût du jour, en fait. Ça existait déjà avec l'Unearthed Arcana. Donc là, dans la section du MJ, on avait. Bah, comment gérer toutes ces nouvelles classes? Et à mon avis, il y avait de quoi y avoir des sueurs froides. Voilà la description des spellbooks. Donc, puisque voilà, le principe était que voilà, le prêtre lui faisait des prières, hein, je le rappelle, et donc devait dire quelle prière il voulait, évidemment, avoir pour la journée, et le magicien pareil, il faisait ses, donc ça, il réapprenait ses listes de sorts avec donc son grimoire. Ça, c'était le principe qui a toujours été d'ailleurs gardé encore aujourd'hui de près ou de loin jusque dans DD5. Donc après, les trésors, alors table de trésors aléatoire encore, il y en a encore plein. Des nouveaux items magiques, comme dirait l'autre, donc des objets magiques, voilà, des règles de combat supplémentaires, des divinités également non humaines qui étaient décrites dedans, dans les appendices. Voilà, donc c'était vraiment plein de choses. Et donc, vous voyez, il y avait même des armes, description d'armes supplémentaires pour voir à quoi ça ressemblait, etc. Il y en avait, moins, c'était très utile. Par contre, c'était vraiment ouvrir un petit peu la boîte de Pandore. Alors, le manuel des plans. Que voici, que voilà. Donc, le manuel des plans, eh ben, comme son nom l'indique, c'est un livre complet pour vous décrire, évidemment, quels sont tous les plans. Donc, plans intérieurs et plans extérieurs, tels qu'ils étaient, on va dire, très rapidement décrits, on va dire, dans le monde, dans le livre du joueur. Donc voilà les plans intérieurs, donc qui sont donc les plans dits élémentaires, avec donc les mélanges d'éléments qui vont donner évidemment
des plans para-élémentaires, etc. Voilà, donc on les décrit tous, et on va dire par le menu, avec voilà, puisque ce sont les plans dont les magiciens tirent leur magie, hein, pour la plupart du temps. Donc ça permet d'expliquer pas mal de choses, mais c'est des endroits normalement où on peut également se voyager techniquement si on en a les capacités. Donc il y a la description également du plan astral. Voilà, on ouvre déjà un peu la porte à Planescape, mais il n'y a pas évidemment toute cette poésie, toute cette tout on va dire voilà, c'est très très aride, très brut, c'est vraiment décrit de manière extrêmement académique. Donc les plans extérieurs, voilà, avec leurs différentes strates, donc qui vont préfigurer également ce que vont être les plans extérieurs dans Planescape, mais beaucoup plus tard. Alors ce livre là, il date de 87, hein, donc Planescape, bah, c'est à peu près 8 ans plus tard, hein, c'est 95, hein, qu'il est sorti, 95 ou 4, enfin, il est sorti en 97 chez nous, mais bon, en tout cas, c'est minimum, je pense, voilà, une dizaine d'années plus tard, environ. Je vous renvoie à ma vidéo sur la gamme Planescape qui a déjà été faite. Donc, les quasi-plans, dit quasi-plan négatif, para-plan, etc. Le plan astral, donc, les plans extérieurs, donc tous décrits évidemment avec leur spécificité. Donc là, il y a quand même des illustrations un petit peu plus voilà, c'est sympa mais sans plus. Donc ça, c'est si vraiment jouer dans la dimension des plans vous intéressait vraiment beaucoup. C'était vraiment très spécifique pour l'époque. Voilà, c'était pas, on va dire, ça avait pas la magie quand même de ce qu'allait être justement le décor de campagne Planescape, où là franchement avec justement Sigil, la Cité des Portes, etc. Ça prenait une toute autre dimension et ça devenait vraiment jouable et devenait un cadre de campagne. Là, c'est plus un décor qu'on peut utiliser de temps en temps. Alors, voilà. Il y a eu également donc les premières covers de Deities and Demigods. Alors, je suis désolé, ce n'est pas la version, parce qu'il y a eu deux versions évidemment. Il y a une version, donc ça décrivait tous les panthéons des différentes mythologies connues terriennes, et ils avaient rajouté évidemment aussi donc les Melniboneens, et on va dire le panthéon de Cthulhu. Donc ce qui est qu'il y a deux versions de ce bouquin. Moi malheureusement je n'ai pas la version, on va dire, qui est extrêmement recherchée et extrêmement chère. C'est la version normale, l'autre je ne l'ai jamais trouvée, même en vente, hein, j'ai jamais trouvé, on va dire, quelqu'un qui la vendait. Je l'ai en PDF, mais c'est tout. Donc je sais à quoi ça ressemble. Et donc dedans, ils ont viré ces chapitres évidemment pour des raisons de droit, et ils ont refait une version, on va dire, sans ces chapitres là pour pouvoir continuer à le vendre. Voilà, et donc on a la description vraiment de tous les dieux, et donc c'est là évidemment à partir de ce moment là que quand des joueurs ont envoyé des lettres à Gygax pour dire qu'ils avaient tué tous les panthéons, qu'il leur a dit mais vous déconnez les gars, c'est n'importe quoi. C'est à peu près ça, hein, qu'il a dit. Et donc il a été rebaptisé après dans la suite des suppléments en Legends and Lords, mais c'est pareil, hein. Legends and Lore. Voilà, c'est exactement le même bouquin en fait, sauf qu'ils ont changé la couverture et le titre, tout simplement. Donc ça, je l'ai vraiment acheté pour la collecte, mais c'est pas les suppléments les plus chers, hein. C'est voilà, celui-ci peut commencer un petit peu à un petit peu, on va dire, valoir des sous, mais franchement le plus recherché, c'est évidemment le Deities and Demigods, avec évidemment les panthéons, on va dire, de Melniboné, de Cthulhu à l'intérieur. Donc le Fine Folio, très très connu, c'est donc un supplément qui est en fait un recueil également encore de créatures, qui était paru donc pour la première version du les first covers, hein, donc de ADD. Je crois que c'est mon meilleur achat, on va dire, rapport qualité-prix, parce que je l'ai vraiment trouvé pour un prix dérisoire. Il y a de cela, je dirais, une quinzaine d'années, j'ai dû le payer 15 euros, quasiment avec les frais de port. C'est, en plus, il est dans un état mais parfait, quoi. Je me dis, franchement, quand je vois ce que ça vaut maintenant, mais ça date quand même de pas mal d'années, presque une vingtaine d'années, hein, que je l'ai acheté.
Et donc voilà, plein de monstres supplémentaires qui avaient été de près ou de loin rassemblés, si mes souvenirs sont bons, à partir de fanzines et de magazines divers, pour en faire un tome avec donc des monstres de plus en plus originaux pour peupler vos donjons. Donc il est assez mythique parce que voilà, il y a des monstres, voilà, le fameux Necrophidius par exemple, voilà, qui est dans le légendaire, on va dire, palais de Tizumtan, qui est un scénario mythique de Donjons et Dragons qui était paru, qui avait été traduit et qui était paru dans Cassius Belli, dans un hors-série Cassius Belli. Voilà, donc le Fallen Folio, juste un tome de créatures qui est voilà, juste mythique parce que c'est le Fallen Folio. Et donc les deux derniers bouquins, pareil, ceux-là, je les ai jamais trop utilisés. Donc le Dungeon, Dungeoneers Survival Guide et le Wilderness Survival Guide. Donc là, tout un guide en fait pour aider le joueur et le maître du jeu à survivre dans les milieux souterrains. Donc il y a plein de conseils de part et d'autre, vraiment pour donner un petit peu plus de corps en fait à vos scénarios dungeonesques. C'est pas vraiment, on va dire, mais il y a quelques petites idées sympas qu'on peut utiliser, mais il n'y a rien de transcendant, on va dire. Et la même chose évidemment pour le milieu sauvage. Pareil, voilà, c'est des bouquins. Celui-là, c'est l'un des derniers que j'ai acheté, hein, je crois, ou c'est l'autre, je sais plus, mais bon, voilà, c'était vraiment juste pour la collecte, pour avoir les derniers suppléments de règles qui manquaient. Voilà, et donc. L'utilité pour un MJ expérimenté est assez limitée. Donc pour ADD, il y a eu donc multiples modules. Donc celui-là, je l'ai en français. Pareil, ça a été vraiment presque un cadeau qui m'a été fait par un des joueurs de l'association à laquelle je jouais il y a une dizaine d'années. Ils avaient fait une sorte de foire aux livres, de braderie. Et ils me l'avaient vendu vraiment pour un prix modique. Je crois qu'ils m'avaient vendu 15 euros quand je sais ce que ça vaut aujourd'hui. Voilà. Une campagne mythique donc de 120 pages qui voilà, nous commence donc dans le petit village de Homelette, Homelette en VF, hein, c'est Hamlet en VO. Et donc après on va aller évidemment rentrer dans un terrible donjon où on va devoir évidemment s'opposer à des forces divines et à leur culte. Et essayer de tirer son épingle du jeu, de rétablir un peu l'équilibre. Enfin bon, je dévoile pas trop l'intrigue parce que c'est une intrigue qui est vraiment très 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 on va dire connue, enfin connue et reconnue. En tout cas le supplément en lui-même est resté assez mythique parce que en plus il change quelque peu en fonction des décisions des joueurs le destin, on va dire, un peu de l'univers, puisque celui-ci en plus normalement se joue c'est dans Greyhawk. C'est dans comment dire, le décor de campagne de Greyhawk. Alors, après, on va passer. Ah, on est déjà quasiment à 1 heure. Ah, et j'ai beaucoup blablaté. J'espère pas avoir dit trop de bêtises. Et donc là, on passe quand même à une édition que je connais un petit peu mieux, qui est la DD deuxième édition. Voilà, donc là, on a le triptyque. Oula, donc ça va être une petite révolution, comme dirait l'autre. On va quand même revoir plein plein de choses qui avaient posé problème. Donc déjà, on va recentrer au niveau des classes de personnages. On va enfin avoir un vrai système de compétences. Bon, il est très très succinct dans la version de base, mais il existe déjà. Il prend vraiment tout son essor qu'avec certains suppléments que je vais vous montrer dans un instant. Mais bon, globalement, on a un Player's Handbook, donc de 260 pages environ, où pareil, on a donc toujours la description voilà, des tirages de caractéristiques, les différentes classes. Donc dans ADD2, on a donc le guerrier, le paladin, le ranger, le wizard, donc le mage, l'illusionniste, le cléric. Le prêtre spécifique, donc le druide, qui existe toujours, avec des illustrations qui sont quand même beaucoup mieux, hein, même ne serait-ce que déjà au niveau de l'illustration
de la couverture, on va quand même de mieux en mieux. Le voleur, le barde de base, donc, et le multiclasse et le dual class. Voilà. Donc il y avait le système qui était revu, l'alignement, évidemment. Donc les fameuses proficiencies, donc le système de compétences dont je vous parlais, donc avec un certain nombre de niveaux qu'on a de base, et après donc on va choisir dans une liste de compétences générales ou avec spécifiques en fonction évidemment de notre classe de personnage. Voilà. Et le principe c'est que bah, on va avoir une valeur en fait qui va être ajustée par une caractéristique ou et après, ben, on va devoir faire un jet de D20 et on va devoir faire en dessous ou égal à la valeur pour réussir dans notre compétence. Tout simplement. Ce qui manquait quand même sérieusement à Donjons et Dragons depuis quand même pas mal de temps. Ben là maintenant, au moins, D2 le donnait. Donc, la description de l'équipement comme, et les règles d'encombrement. Voilà. Comment lancer les sorts. Le fameux système de taco dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc il va même pour on va dire le plus voilà si on va au niveau 20, le comment dire le guerrier il a quand même un en taco, donc ça va jusqu'à 1. Hein. Donc voilà, techniquement donc s'il fait au niveau 20, il rate jamais vraiment sa cible sauf s'il fait 1 évidemment. Hein, ça va être normalement toujours un échec critique en théorie, même là. Alors là. Faudrait voir. Là, j'avoue que je me souviens plus si quand il fait 1, si du coup ça fait un échec critique, parce qu'il est niveau 20. Et donc avec même un 2, on va dire, sur le dé, il va quand même du coup toucher une classe d'armure qui est largement au-delà de moins 10, donc techniquement du moins 18. Mais ça n'existe pas, c'est moins 10 maximum. Le système de combat, les jets de sauvegarde, comme toujours, les jets contre le. Ah mince, pour repousser les morts-vivants, les trésors, les rencontres. Alors, on nous donne donc vraiment plein de petites choses qui font quand même que le livre du player devient suffisant quasiment pour jouer, quoi. Il n'y a plus vraiment besoin du Dungeon Master Guide pour pouvoir s'y mettre. Dans la première édition, j'ai l'impression qu'il manquait quand même quelques petites choses et qu'il fallait quand même au moins un peu plus le Dungeon Master Guide. Mais bon, là, et la description de tous les sorts qui prend, on va dire, une grosse partie du bouquin. Là, ça devient de plus en plus énorme. Donc on va de la page 131 jusqu'à la page, on va dire, 200. Ouais, il y a 110, pa 110 pages de sorts, quoi. 110 pages. Quand même sur un bouquin de 260 pages, ça fait énorme hein, pour la description de tous les sorts. Mais c'était comme ça. Le Dungeon Master Guide, donc lui, du coup, est devenu moins. Voilà, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, c'est l'inverse. Donc, c'était le Dungeon Master Guide avant qui était très épais. Et donc, là, c'est l'inverse. Donc, le player est devenu plus épais et le Dungeon Master Guide est devenu plus mince. Et on va y retrouver quand même, bah, de toute façon, toujours la description voilà, des conseils sur la création du personnage et des classes. les alignements, l'argent, donc voilà, la magie, le taco calculé pour vous aider, on va dire, pour que ce soit un peu plus clair en combat. Donc il y a les fameuses règles de combat à main nue qui sont imbattables. Enfin moi j'ai toujours trouvé qu'elles étaient complètement nulles. Franchement quand on combat à main nue, vaut mieux improviser un système soi-même parce que franchement il est complètement nul, je trouve. Le poison, les combats aériens, le combat en milieu sous-marin et la description de tous les trésors et objets magiques qui lui aussi fait, on va dire, voilà, c'est pas autant que dans le Dungeon Master Guide. De nos jours, mais on est déjà quand même pas mal. L'étape de rencontre aléatoire, voilà, et puis après, bah, comment on va dire faire du donjon, hein, comme on dit. Mais voilà, il y avait tout ça, mais il y a un peu moins de pages parce qu'il y a quelques sections qui sont passées dans le players. Le Monster Manual, donc il a grossi lui aussi. Voilà. Donc quand même 300, presque 385 pages, c'est quand même assez énorme.
Là, les illustrations passent par contre en couleur, ce qui est plutôt sympathique. Mais c'est plutôt intéressant. Voilà, donc, mais ça reste, on va dire, un Dungeon Master, un Monster Manual assez classique, voilà, dans sa manière d'être présenté. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, si ce n'est donc les ajustements, évidemment, au niveau des règles entre la première et la deuxième édition. Le tome de magie, donc, que j'avais pris aussi, donc là, plein de nouveaux sorts pour agrémenter vos parties, pour donc tous voilà. Les sorts, quand même, il faut faire vachement gaffe parce que y a des choses qui sont vraiment très très puissantes. En tout cas, on en a pour notre argent, puisqu'il y en a pour voilà, 160 pages de sorts supplémentaires. Et donc, j'arrive à ma version préférée, donc le fameux triptyque de. Ah, parce que j'avais mis les bouquins, je les avais insérés d'une certaine manière. Voilà! Le fameux triptyque en version révisée. Donc pareil, hein. Donc là on est dans une version qui est quand même beaucoup plus aboutie. On est au niveau de la mise en page, c'est quand même beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus aéré, plus agréable. Heureusement, parce que franchement c'était une gageure. Hein, moi, franchement, les éditions précédentes, j'ai toujours rechigné à les lire. Celle-là, ouais, elle est quand même beaucoup plus agréable au niveau de la mise en page. C'est quand même voilà, c'est écrit plus gros. Il y a les illustrations sont quand même bon, c'est pas non plus d'un trait. Moi, je trouve que voilà, c'est honnête, mais sans plus. On y retrouve vraiment tous les mêmes choses que dans ADD2, hein, c'est juste que les informations sont mieux présentées, je trouve. Donc, ces versions-là, elles datent de voilà, 95. Donc elles ont été vraiment révisées dans les années 95, sachant que les autres datent donc de fin 80, début 90. Donc 89, et puis la suite des bouquins a dû paraître 90, 91 ou quelque chose comme ça. Donc on a en tout cas le même découpage. Il y a un écran que je vais quand même vous montrer. Voilà, là l'écran commençait à peu près à ressembler à quelque chose. Il faut quand même le reconnaître. Donc il y avait surtout un index du maître du donjon. Voilà, avec plein d'entrées, c'était plutôt pratique pour retrouver quelque chose dans les bouquins, même si bon, moi je trouve que là les bouquins étaient tellement, tellement clairs qu'on y retrouvait quand même plus facilement ce qu'on avait à y retrouver. Donc voilà, c'est que des tableaux, hein. Par contre, il n'y a pas du tout d'illustration, pas beaucoup. Un écran en deux parties, voilà, avec une illustration quand même là, parce qu'ils ont, ils ont pu en mettre une, et avec donc un côté joueur et un côté maître du jeu. Voilà. Sachant que du côté joueur, bah, il y avait donc toutes les données, plus donc les plans justement extérieurs, la fameuse roue, grande roue des plans. Donc là, on reconnaît beaucoup plus maintenant la structure telle qu'elle existait justement depuis. Le cadre de Planescape, merveilleux cadre de campagne. Je ne pourrais que vous conseiller, surtout que voilà, le cadre était complètement prévu pour être joué donc avec la version 2. Donc, puisque le cadre est sorti quasiment en même temps ou après, on va dire cette deuxième édition révisée. Donc voilà, en plus, donc on sent que. On est quand même un peu dans cette nouvelle manière de voir l'univers qui était vraiment très très sympa. Donc le player, ce que je vous dis, c'est la même chose, hein, au niveau de Dungeon Master Guide, pareil. Hein, donc on a toujours les conseils OMJ, comment créer ses donjons, la description des objets magiques. Donc avec particularité que moi, quand j'ai regardé on va dire quand j'en ai eu besoin, en fait, il n'y a pas de prix des objets magiques. Et donc je me suis dit, mais what? C'est où qu'on. Et donc il y a quand même un bouquin où ou du moins il y a des endroits où on peut trouver les prix des objets magiques. Mais sinon, un prix, on va dire, même indicatif des objets magiques, il n'y avait quasiment pas, quoi. C'est assez pénible. Parce que quand ils vont acheter des objets magiques dans les magasins, il faut leur dire, bah, je ne sais pas en fait combien ça coûte. Donc on se juge à peu près à vue de nez. Le bestiaire monstrueux, donc version révisée aussi, c'est le même, hein, franchement. Sauf que voilà, là, ça a été revu et corrigé. Donc là, je l'ai en version française, ce qui est assez voilà,
Vous pouvez le noter, c'est assez rare de ma part. Et donc le livre des artefacts, pareil, un ouvrage extrêmement intéressant que j'ai eu un peu de mal à trouver, mais là je l'ai en français. Il y a plein d'objets qui permettent là-dedans, bon c'est évidemment assez gros bill, mais qui m'ont permis, on va dire, de faire vraiment de super scénarios, genre les orgues mystiques des Wards, qui est vraiment une histoire extrêmement intéressante de ces orgues, qui sont vraiment, voilà, qui moi en tout cas m'ont tenu une bonne partie d'un de mes, voilà, l'œil et la main de Vecna aussi, évidemment, un grand classique. Pareil, que j'ai intégré également dans ma campagne. Bref, tous les objets en fait les plus importants, les plus connus, on va dire, de l'univers de Donjons et Dragons sont là-dedans. C'est vraiment ce qu'on appelle donc, des reliques, hein, des artefacts. C'est plutôt pas mal. Et je terminerai sur le quadriptyque, entre guillemets, bon, même si techniquement il n'y a que deux bouquins qui sont vraiment nécessaires. Qui existe en version souple et en version couverture dure. Je le sais parce que j'ai eu des versions en couverture souple, que du coup je les ai rachetées en couverture dure et je les ai passées à un de mes joueurs qui aime beaucoup, comment dire, qui aime beaucoup aussi le système de Donjons et Dragons, et Donjons et Dragons de manière. Donc il y a le premier Player's Option, Combat and Tactics. Alors je ne l'ai pas trouvé, moi, super utile dans ma pratique de Donjons et Dragons. Voilà, mais il y a plein de choses. Combat, le combat de masse, options de combat, système de combat avec donc figurines et compagnie, tout est prévu, hein. Système de siège, une revue et corrigée, on va dire, en fonction des époques, des armes et armures, système évidemment un petit peu, on va dire, de précision sur les coups critiques, voilà, avec des coups critiques. On n'est pas encore au niveau de Rollmaster, on ne le sera jamais de toute façon. Mais bon, au moins ça avait le mérite d'exister. Je sais que voilà, c'est du quadriptyque. En fait, j'en utilise vraiment que deux des bouquins que je vais vous présenter. Le premier étant celui-ci, Skills and Power. Donc là, développement vraiment très sympa de tout le système comment ça s'appelle, de compétences. Donc en fonction des classes, donc vous allez avoir des points en fait. Qui vous seront, et même au niveau des races, en fait, vous allez pouvoir ajuster vos races. Donc là, ça permet vraiment de faire un personnage différent du voisin, même en ayant la même race, la même classe. Parce que vous allez avoir un certain nombre de points qui vont vous permettre d'acheter les habilités. Donc c'est-à-dire que les habilités de race, vous ne les avez pas automatiquement, il faut les acheter. Ce qui est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir également vos stats en fait sont dédoublés. Vous allez pouvoir en fait. Mettre un score plus élevé dans un ou dans l'autre, et la moyenne devant faire votre valeur de stats au départ, pour justement pouvoir obtenir certains, on va dire, avantages d'une carac dédoublée plus élevée que l'autre. Genre par exemple la force, elle est dédoublée en muscles et stamina. Voilà. La dextérité, elle est comment dire, dédoublée en équilibre, balance et aim, visée. La constitution en santé et fitness, donc forme physique, entre guillemets. L'intelligence, c'est raison et savoir. Raison, pardon, et savoir, oui, si c'est bien ça. La wisdom, donc c'est intuition et volonté. Et le charisme, c'est apparence et commandement. Voilà. Et donc, ça permet en fait vraiment d'ajuster un peu plus votre personnage déjà au niveau des stats. Après, au niveau des races, donc, vous allez pouvoir choisir les sous-types de races et les capacités en achetant avec des points. C'est-à-dire que chaque race que vous allez choisir vous donne un certain nombre de points. Et donc, vous allez pouvoir acheter des capacités plus ou moins en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, vous allez donc au niveau de votre classe, donc ça, c'est à peu près identique, si ce n'est que vous allez pouvoir évidemment, pareil, l'ajuster avec donc déjà les fameux character kits qui sont en fait les ancêtres en fait des comment ça s'appelle déjà dans c'est les historiques. De personnages. Ils étaient déjà dedans en fait, hein. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher midi à 14h, ils ont repris l'idée.
Et donc, ça va vous donner déjà, puisque donc ça correspond au métier que vous faisiez avant de faire votre classe de personnage actuelle. Donc, vous allez tirer votre classe sociale. Vous allez avoir des prérequis, de l'équipement, un bénéfice spécial, donc un bonus, votre richesse qui va vous être donnée de base. Donc ça, pareil, ça donne déjà un background à votre perso parce qu'il a été quelque chose avant de partir à l'aventure. Voilà. Le character kit, c'était une chose que j'aimais bien utiliser. Et après, donc vous avez les non-weapon proficiencies, parce que donc après, vous avez un certain nombre de points qui vous permettent d'acheter évidemment vos weapon proficiency, donc les compétences de combat, donc les classes de, tout simplement les catégories d'armes que vous pouvez maîtriser, ce qui permet, on va dire, même à certains mages de savoir manier une épée, alors que sinon, c'est un pauvre nul qui sait à peine tenir un couteau et un bâton. Là, c'est possible, on va dire, de faire ce genre de choses, parce que c'est des points à dépenser, tout simplement. Bon, évidemment, le mage n'en aura pas beaucoup, mais avec la progression, il pourra quand même un petit peu changer ça. Pareil pour le clerc, hein, qui est plus limité en fonction de son dieu. Bon, s'il y a certains dieux qui eux, ce ne sont pas des dieux qui ont la masse pour armes de prédilection, voilà, il va pouvoir prendre d'autres catégories d'armes. C'est prévu dans le système. Et voilà, et donc vous avez un système, vraiment une feuille de compétences vraiment très. Bon, c'est pas du niveau de Rollmaster encore. Ah, tiens, j'ai encore cité Rollmaster. C'est bizarre. Mais on va dire ça permet quand même d'avoir plein de choses. Il y a beaucoup plus de choses évidemment que dans ADD2 version normale. Il y a des traits que vous allez pouvoir acheter également et des avantages qui vont vous redonner des points supplémentaires. Donc ces fameux traits en question, c'est vraiment des petits pouvoirs qui sont plutôt sympathiques de près ou de loin. Mais bon, c'est rien, on va dire, d'obligatoire d'en acheter. Hein. C'est surtout le système de compétences et les dédoublements de caractéristiques. Qui a vraiment un intérêt quand même dans le système. Et donc après, on vous décrit les weapon proficiency. Donc voilà. Et donc les différentes catégories d'armes que vous pouvez maîtriser. Et on va dire les bonus que ça va vous donner, etc. etc. C'est plus, voilà. Et avec aussi des nouvelles écoles de magie. Donc pareil, au niveau du mage, il va pouvoir choisir deux nouvelles écoles de magie et donc de nouvelles orientations magiques et des nouveaux pouvoirs qui vont lui permettre de lancer ses sorts de manière un peu différente. Ce qui est plutôt pas mal. Sauf que là, il y a juste le système de base. La suite, en fait, elle est là-dedans. Elle est dans Spell and Magic. Il y a un tome qui est dédié justement pour optimiser aussi les lanceurs de sorts. Il y a le système de psionique qui est revu et corrigé aussi dans cette nouvelle version-là. Donc là, on est plus proche évidemment de ce qui était déjà qui avait commencé à être développé dans le manuel des psioniques. Alors c'est vrai que le manuel des psioniques, je l'ai oublié, je ne l'ai pas sorti, mais je l'ai rangé, c'est parce que je l'ai rangé avec la gamme Dark Sun. C'est pour ça, mais donc il y a le manuel des psioniques, il y a même des manuels en fait pour chacune des classes de personnages qui vous est proposée. Il y a on va dire, un livre qui lui est dédié, qui est plus ou moins intéressant en fonction. Moi, j'en ai que deux. J'ai le manuel du Psionique et le manuel des Gladiateurs, parce que pareil, il est super intéressant pour Dark Sun. Parce que c'est une classe de personnages, le Gladiateur, qui est quand même très intéressante. Voilà. Donc, on vous décrit le système de Psionique avec donc des nouvelles options diverses et variées. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Je sais qu'on n'a jamais vu trop, trop besoin. Parce que les Psioniques sont déjà assez puissants comme ça. Et des tableaux pour clore le sujet. Donc après ensuite on a, comme je disais, le Spell and Magic qui va vous permettre là d'optimiser vos lanceurs de sorts en leur achetant également des capacités qui vont leur permettre d'incanter moins vie, enfin d'incanter plus rapidement, d'augmenter on va dire les paramètres de ces sorts et compagnie. Il y a énormément de choses. Là franchement, faut vraiment s'y plonger hein, pour en tirer toute la substance scientifique moelle. Mais ça permet, sans pour autant, on va dire, puisque évidemment ça compense certaines choses, s'il a une capacité, il y a certains trucs qu'il fera moins bien, ou s'il fait un truc mieux, il sera moyen comme les autres dans le reste. Hein. Voilà, c'est juste pour personnaliser un petit peu vos personnages, pour éviter, on va dire, toutes ces redondances qui est quand même assez caractéristique dans Donjon. Vous avez la même chose donc dans Spell and Magic. Et le dernier qui ne m'a jamais été vraiment d'une grande utilité, comme le manuel sur les combats, c'est le High Level Campaigns.
où là donc on vous donne des conseils pour jouer des campagnes avec des personnages qui sont de niveau 20 ou plus. J'ai pas trouvé non plus. Enfin, déjà, j'ai rarement eu de personnages niveau 20 et plus, même jamais. Mais on vous donne des conseils. Moi, je le trouve pas extrêmement, on va dire, pas d'une très très grande pertinence. Bon, ça peut donner quand même à certains moments certaines idées quand voilà, on veut offrir des challenges même à des personnages qui sont déjà de niveau plus que 10, entre 10 et 15, on peut déjà y trouver peut-être certaines choses. Mais sinon, globalement, non, je ne trouve pas qu'il ait d'un intérêt vraiment énorme. Voilà, donc ça c'était pour la gamme juste des ouvrages de règles de donjons d'ADD. Je ferai des vidéos séparées pour chaque univers. Donc, j'ai déjà fait pour Planescape, je vous ai déjà un peu présenté aussi Birthright dans un de mes lives. Donc suivra tous les univers évidemment d'intérêt pour Donjons et Dragons, que sont donc Mystara, Greyhawk, Dark Sun, Ravenloft, et je crois que c'est à peu près tout, j'ai rien oublié. C'est déjà pas mal. Mais donc, en tout cas, ces univers-là, oui, les Forgotten Realms, évidemment, les royaumes oubliés. Justement, je les ai oubliés. Là, je ferai une revue de gamme. C'est surtout des suppléments de deuxième édition que j'ai. Enfin, pour ADD2, j'en ai quelques-uns pour ADD tout court, mais ADD2 surtout. Hein, c'est là que la gamme a été vraiment le plus développée au niveau de ces univers. Mais là, bon, je voulais faire quand même une vidéo séparée pour chacun de ces univers pour vraiment vous les présenter de manière un peu plus, on va dire, construite et développée. Voilà. Donc, alors ça fait une grosse grosse vidéo, mais bon, je m'en doutais un petit peu. En tout cas, voilà, c'était la grosse vidéo de la semaine pour ADD A1 et ADD2. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce pour me soutenir dans mon engagement, pour également me référencer un petit peu, pour être un peu plus connu et ainsi voilà, rassembler de plus en plus une belle communauté de joueurs qui aiment les vieux jeux et pas que, et qui aiment en tout cas le jeu de rôle. Ça c'est sûr, c'est ce qui nous réunit par-dessus tout. Voilà, pouce, commentaire. N'hésitez pas à aller sur le Discord pour bavarder, voilà, tout est en description pour nous rejoindre. Voilà, n'hésitez pas aussi à venir discuter en live, à poser des questions sur le Discord ou pendant les lives. Je suis à votre disposition pour y répondre si je le peux. Hein, je n'ai pas la science infuse, mais j'essaye de faire au mieux. Et en tout cas, si je n'ai pas la réponse, je la cherche et je la trouve. Voilà. Donc, voilà, si ça vous a plu. Récompensez-moi comme on peut le faire, on va dire, dans ce genre de cas, et ainsi me donner le courage, l'envie et, on va dire, la passion de continuer, on va dire, à vous présenter tout cela. Voilà, c'était Magna Magister pour ADD 1 et 2. À bientôt pour de nouvelles aventures!